lutte contre la criminalité à Garoua, les prouesses de la compagnie de gendarmerie de la Benoué. Elle a mis la main sur un groupe de jeunes criminels qui opéraient à Garoua depuis quelque temps. Leur mode opératoire est expliqué ici par le commandant de compagnie de la Benoué. Suspect susceptible d'être poursuivi pour vol aggravé a été interpellé à Tcharache, arrondissement du Mayo-Ourna. Son exploitation nous a permis d'interpeller trois autres suspects, dont deux à Garoua, un à Ngaoundéré. Cela après le premier forfait commis à Yaoundé au préjudice de M. Salah, sujet de nationalité française, au cours de laquelle ils ont emporté des effets personnels et une arme de calibre 12 de marque Mossberg avec 52 munitions. Ils se sont rendus à Garoua où ils ont commis plusieurs autres forfaits. Parmi ces forfaits, le domicile de M. Djibrila, résident en France, a été cambriolé. Également le domicile du gardien de la paix Mabou, où ces effets ont été emportés. Tous ces suspects interpellés, à l'heure actuelle, l'enquête suit son cours. Le groupe de jeunes criminels n'est pas le seul mis dans la nasse des éléments de la gendarmerie. Le nommé Ndokobaye Matawak Wazada alias Souleymanou a également été mis aux arrêts par des éléments de la compagnie. Il serait un supposé suspect des assassins de Madame Rukoya Hamadou survenu récemment. Dans la nuit du 19 au 20 au quartier Kankaro Garoua, Dame Rukoya Tou a été assassinée à son domicile. Les recherches nous ont permis d'interpeller le suspect nommé Ndokobaye. L'enquête suit son cours et la gendarmerie, pour sa part, ne ménage aucun effort pour assainir la ville de Garoua et ses environs. Depuis quelque temps, l'insécurité a refait son nid dans la ville de Garoua, laissant sur le carreau de nombreuses victimes. Une situation qui a amené le préfet du département de la Benoué, Omaro Aman Wabi, à interpeller les chefs traditionnels, bras séculiers de l'État, à se mettre résolument au travail en collaborant avec les forces de l'ordre et de sécurité. La contribution de la population, parce que la population intervient également beaucoup dans la sécurité. Nous comptons sur leur franche collaboration. Ils doivent dénoncer tous les faits pour nous permettre d'assainir la ville de Garoua. Vivement que ces prouesses de notre gendarmerie nationale se poursuivent et permettent aux habitants de la ville de Garoua de vaquer en toute quiétude à leurs occupations.